Ah bon, t'étais pas au courant Instagram, Facebook, Twitter, c'est terminé. À part les esclaves, tout le monde est déjà sur Telegram. Et j'ai même fait une page de vente pour te l'expliquer, bien sûr. Normalement, je me contentais de te mettre un petit lien en dessous de la vidéo pour te dire rejoins mon canal Telegram. Mais là, du coup, je rajoute un coup de pression. Telegram, c'est vraiment bien. Au début, c'était juste une messagerie, genre WhatsApp. Ça a quand même pris de l'ampleur. Les groupes Telegram sont devenus super bien foutus, comme des réseaux sociaux, mais en mieux. T'as pas toutes les pubs, les recommandations, toute la merde en fait. Tu n'as pas de censure, bah vas-y, je te raconte. Fini la censure. Alors je sais, les Français sont très à l'aise avec la censure, ils adorent ça. Physiquement même, mettre un masque sur la gueule, ça pose pas vraiment de soucis en fait. Ouais ben moi ça m'a toujours emmerdé la censure, j'ai perdu quatre ou cinq chaînes YouTube, trois comptes Twitter, deux Instagram, ça m'a pris la tête, c'est bon. Là sur Instagram, à moins que tu me donnes tort, j'ai jamais entendu le moindre mec se faire censurer. Et donc je t'écris, en 2020 sur les réseaux sociaux, il n'y a plus que des hystériques, des demeurés et des meufs en string. Ce qui est vrai, il y a 10 ans sur Facebook, il se passait encore quelque chose. Aujourd'hui, c'est pas le cas. En même temps, tous les gens qui ont encore un début de cerveau se sont déjà barrés ou se sont fait bannir. Hein, cette petite fenêtre compte désactivé, tu la connais Moi, je la connais bien. Pourquoi Eh bien parce qu'aujourd'hui, la censure est totale. Vraiment. Hein Il est devenu impossible de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux traditionnels, Facebook, Twitter, Instagram. Deux choix s'offrent à toi. Choix numéro un, tu te soumets et tu restes sur des réseaux sociaux d'attarder, ce qui est vraiment mauvais pour le cerveau. Crois pas que tu peux évoluer en environnement empoisonné et t'en sortir indemne. C'est toxique. Choix 2, tu rejoins Telegram et ça se passe très bien. Telegram, c'est lui. On dirait un peu néo dans Matrix, mais non, en fait, c'est Pavel Durov, un russe de 36 ans qui pèse plus de 3 milliards de dollars via Dubaï et qui a tenu tête au FSB, hein, les services secrets russes, mais il a fini par coopérer, faut pas déconner non plus. C'est quand même autre chose que Mark Zuckerberg. Il y a des anecdotes sur ce mec-là. Il vivait à Saint-Pétersbourg, il s'était pris le meilleur appart de la ville, qui est même pas un appart, c'est un truc que normalement t'as pas le droit d'avoir, c'est quasiment un musée ou un patrimoine culturel protégé. Bon, lui, c'était ses bureaux, ses locaux. Et il avait balancé plusieurs millions en cas par les fenêtres. C'est à l'époque où il faisait F contact. F contact, c'est la copie russe. Il avait fait sa version à lui qui a très bien marché, tellement marché que il balançait de l'argent physiquement par les fenêtres. Imagine le bordel. Telegram, c'est le réseau social du futur. Je me suis même permis de mettre une petite courbe comme ça, ça fait genre, ah, je sais de quoi je parle. Au sein de DBL, donc la communauté Domination by Love, qui est à peu près la seule à être sur la liste des survivants quand ça va péter, nous ne tolérons que trois canaux de communication les emails, dans lesquels je donne des annonces officielles le forum DBL, dans lequel les membres discutent entre eux et Telegram, qui est un petit peu mon outil personnel pour partager mes humeurs quotidiennes à la communauté. Mais pas que, on peut communiquer avec tout le monde c'est une messagerie instantanée. Comme WhatsApp, Sauf que WhatsApp est surveillé. WhatsApp appartient à Facebook. Ce que tu écris sur WhatsApp, t'as le gouvernement français qui a un œil dessus. Faut que tu le saches. Telegram, non. C'est crypté. Les deux sont cryptés. Ouais, mais la question, c'est qui sait quel code Bon, bah, WhatsApp, c'est Facebook. T'as compris. Comment rejoindre Telegram On t'a fait le niveau de difficulté QI inférieur à 70. Genre, t'as aucune excuse. Étape 1, télécharge l'application, as un lien ici pour PC, Mac, ici pour ton iPhone, ici pour ton Android. Étape numéro 2, tu crées un compte, ça prend 2 putains de minutes. Et ce dont as besoin, c'est juste d'un numéro de téléphone, ça reste anonyme. T'es pas obligé de l'afficher ton numéro, t'en as besoin pour créer ton profil, mais après tu l'enlèves si tu veux. Et étape numéro 3, tu cliques ici pour rejoindre mon canal Telegram et tu pourras profiter de mes petits messages audio, de mes vidéos. Attends, il y a même des vidéos, hein Ça peut remplacer YouTube, ce truc-là. On poste des vidéos. J'ai des vidéos exclusives que je poste pas sur YouTube, je les poste que sur WhatsApp. Genre, il a pas longtemps, je suis venu mettre des gros coups de coude dans la tête de Lapin Taquin et Laurent Burton. Tout le monde n'a pas compris d'ailleurs, hein. ça échappe à certains que je reproche leur non-action aux lanceurs d'alerte. Je comprends pas que les gens ne comprennent pas, mais bon, c'est comme ça, et du coup j'ai posté la vidéo uniquement sur Telegram. Petite démo, le canal ressemble à ça. Par exemple, là, je postais une vidéo d'un Russe qui chante dans une église, je chante super bien, le mec. Des fois, j'ai écrit du texte comme ça. Parfois, je poste un petit bout de vidéo, des extraits. Je poste aussi les commentaires des gars auxquels je réponds. C'est vivant, quoi. Il se passe plein de trucs. Oh putain, j'avais oublié que j'avais posté ce mec-là aussi. La version mobile et l'ordinateur sont indépendantes. Donc, même si ton téléphone est éteint, la version mobile marche toujours. Ce qui n'est pas le cas de WhatsApp. Tu peux avoir Telegram sur plusieurs appareils à la fois. Ce qui n'est pas le cas de WhatsApp. Enfin, c'est mieux que WhatsApp. Sauf qu'en plus, tu as tout le système alternatif aux réseaux sociaux. Donc c'est vraiment bien, tu as un lien en description, clique dessus, rejoins-moi sur Telegram, tu aucune putain d'excuse. Bisous, à plus.